Et salut tout le monde, c'est Broudaf, nous sommes ensemble pour l'épisode 13 de Medieval Dynasty. On avait recruté à l'épisode précédent une charmante jeune femme qu'il va falloir loger, sinon elle va partir. Hop. Alors je vous ai laissé les gamins puisqu'on est en pleine nuit, hein. Il est quelle heure là? Il est minuit. Alors, il y a des fois où les... Vous voyez là, il est minuit, mais il fait quand même relativement clair. Je vais peut-être vous couper les gamins d'ailleurs. Voilà. Et puis, il y a des fois où... Même avec les gamins, vous ne devez pas voir grand-chose. Alors, on va faire une petite maison. Est-ce qu'il y a un champ ici? Non. Alors, on va la coller là, alors. C'est ici, l'entrée. Voilà. On va aller couper des rondins. Alors, ce qui est bien, c'est que dès que la maison sera construite, elle ira automatiquement se servir en bois de chauffage et en nourriture. Prendre des bâtons. Voilà, alors ensuite on retourne à la maison. Il manquera la paille, je pense, parce que là, à mon avis, avec ce que j'ai pris, ça devrait être bon. Ah, j'avais gardé de la paille sur moi. D'accord. Alors, inventaire. On va
aller manger un petit bout. Ah, j'aurais pas assez de rondins. Il me manquera donc 3. J'arrive pas à grimper au-dessus. On va aller boire un coup. Hop. Voilà. Et donc maintenant, on prend notre petite sans-abri. On lui attribue une maison. Voilà. Et on va continuer à couper un peu de bois. Pour les bâtiments suivants. Alors, ce que j'ai oublié de faire, ce que j'ai oublié de faire, c'est dans le deuxième atelier de bûcheron. Alors attendez, hop. Le premier, je l'avais fait comment? Le premier, je lui ai demandé 50% de rondins, 40% de bois de chauffage et 10% de bâtons. D'accord. Alors le deuxième, on va lui demander 40% de rondins. %20 de bâtons. Et 40% de bois de chauffage. Voilà. Et enfin, pour l'artisanat, je pense pas que ça. Je sais pas si ça lui a gardé en changeant la personne. Si, ça lui a gardé les petits paniers en osier. Ok. Ah, compétences qui augmentent. Mule, ça pourrait être pas mal. Voilà. Voilà. Alors, on va refaire un. Il me faut de la pierre pour ça. Bah, je vais aller voir ce que j'ai comme pierre. Parce que mes petits bonhommes, ils vont vite être à court
d'outils. Et s'ils n'ont pas d'outils, ils travaillent pas. Sauf que contrairement aux bois de chauffage et à la nourriture, ils nous le disent pas. Alors, la pierre, est-ce que j'en ai? Ah non, j'ai pas de pierre. Voilà, j'avais la course auto qui s'était déclenchée. Alors, on va fabriquer deux haches déjà. J'en avais un peu au-dessus de la pierre. Voilà, ensuite je vais refaire deux couteaux pour les chasseurs. Voilà. On va essayer de récupérer encore des bâtons. Alors, on va refaire, voilà, des haches. J'aimerais bien aussi me refaire un petit maillet, mais pour ça, j'ai pas assez de bâtons. Voilà. On va essayer de trouver de nouveaux habitants. Donc je peux recruter deux hommes et une épouse, ce qui me ferait 8 personnes. Ce qui me ferait qu'on serait à 8, ce qui serait pas mal quand même. Et après, il suffirait de recruter un couple en supplément. Et on aurait la quête. Donc je vais avoir besoin d'une maison. On a vu que la maison, c'est pas très compliqué à construire.
toujours pensé, quand on n'a plus de pierre, toujours penser à en ramasser un peu sur le trajet. Parce que tant qu'on n'a pas la. Tant qu'on va pas miner, on récolte pas des masses de pierre sinon, hein. Et la mine, ce sera peut-être pour la saison prochaine. Voilà, on a ramassé d'autres. On a glané quelques trucs sur le trajet. On est plutôt bien. Alors, ouais, j'ai pas assez d'endurance. Ok, alors, toi. Ouais, non, j'avais dit 30 ans, t'étais un peu vieille. Naturalis. Ouais. Ah bah voilà! 80% de chance de se marier. Est-ce que vous pensez que ça va passer? Oh oui! Voilà. Donc, on est marié avec Zigmunta, qui a donc 23 ans, qui ne... Alors là, elle est en rouge parce que c'est notre épouse, a priori. Et qui n'est pas très douée dans quoi que ce soit. Mais bon. Alors maintenant, il faut essayer de recruter des messieurs. Donc l'autre, il pouvait pas être recruté. On va essayer de là-bas. Alors, Zigmunta, elle va travailler dans les champs. Attribuer un lieu de travail. Enfin, la grange plutôt. Hop. Elle va donc être fermière. Voilà. Ensuite. À la grange. Donc ça, c'est juste ce que je peux faire à la grange, d'accord. Et les champs. Alors, celui-là. On va mettre du lin. Voilà, même si tout n'est pas fertile pour le moment. Voilà, et celui-là, on va y mettre. Des oignons. Voilà.
Alors, il est snob, lui. Voilà. Voilà. 70. Il me manque 2. Ok. Bon, alors, on va essayer d'aller revendre des trucs. Ceci dit, on pourrait aussi lui acheter du fumier pour l'engrais. Alors, on va lui vendre l'assiette, voilà. On va lui racheter du fumier pour l'engrais. Ouais, mais il faut le fabriquer aussi. C'est dommage qu'elle ait pas de l'engrais directement. Voilà. On a claqué tous nos thunes pour du fumier. Et ben. Alors, on va essayer d'aller par là-bas voir l'autre village. C'est bien par là. Femme. Oui, je pourrais. Ouais, mais moi, faut. On va plutôt aller au autre village, Branica. Un petit peu. Voilà.
J'étais un petit peu trop bas. Il est là le village. Mazette, eux ils en ont du bois. Hein. Ils ont des champs énormes aussi. Alors. Par contre, il n'y a que elle qui pourrait être embauchée. Quand même deux villages où il n'y a personne. Alors, toute qui, on va y aller. Puis si possible, j'aimerais, quitte à embaucher des gens, j'aimerais bien qu'ils aient quand même des stats un peu plus sympa quoi. Ok, bah on va embaucher une femme, hein. Tant pis. Enfin, on va essayer en tout cas. Alors. Aïe! Non! Tout ça pour rien. Toi, tu peux pas être recruté parce que tu es trop jeune. Faudra qu'on revienne l'année prochaine. Bon, bah c'est sur ce... Il va être temps, je pense, de nous quitter. On va se quitter au village. Hein. On va revenir au village. On va aller voir notre femme. Ah, on va aller à Rolnica avant, tiens. C'est dans cette direction, donc... Ce que j'aime bien, c'est que bah, les villages sont pas construits tous pareils. Hein. Vous voyez, y a les bâtiments sont... Il y a les mêmes bâtiments, mais ils sont placés de manière différente, selon la topographie du terrain aussi souvent. Alors... Oh, ils ont des ports ici. Ah, un monsieur qui peut être recruté. Alors, il est paysan. Travail difficile. Ah bah ça, c'était très bien. Voilà. Ok, alors toi, on va te mettre en couple... Voilà, tu vas être avec
Ensuite, attribuer un lieu de travail. Et ben la grange. Voilà. Alors, ouais, je suis pas sûr qu'il soit. Bah, de toute façon, il est moyen dans tout. Hein. Voilà. Donc, on aura pas mal avancé. On aura fini la quête d'avant. On aura commencé celle-là. Voilà, ils ont des choux. Donc c'est ici qu'il faut aller. On va traverser et puis on va s'arrêter à ce moment-là. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou un bon après-midi. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.